Salut tout le monde, alors je fais cette vidéo déjà pour prévenir que je suis passé partenaire avec un network qui a l'air plutôt bon, Exonia. Donc je voulais vous en parler, vous dire comment le rejoindre et tout ça, quoi, enfin, vous le présenter. Donc tout d'abord, Exonia, c'est un network anglais, mais si vous êtes français, vous pouvez très bien le rejoindre. Donc il y a des trucs plutôt avantageux, là je suis parti, j'ai pas trop compris, je vous mettrai l'extrême, je suis pas très, enfin je suis pas anglophone. Parfaitement, mais en gros, je crois soit c'est un contrat de 2 ans, mais il me semble qu'on peut l'arrêter. L'arrêter quand on veut, sous un délai de 30 jours. Une fois qu'on a demandé l'arrêt, il s'arrête 30 jours après, il me semble que c'est ça. Ensuite, ça, je suis sûr, il y a 70% des revenus. Donc, moi, en tout cas, sur mon contrat, j'ai 70% de revenus. On peut même négocier un petit peu plus si on a une un peu plus grosse chaîne. Et on a aussi, ça c'est très avantageux il me semble, encore une fois j'en suis pas sûr, mais on n'a pas de minimum de paiement, c'est-à-dire qu'on a notre paiement par une fois par mois, peu importe la somme. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal, même si du coup je vais gagner quoi, 30 centimes par mois, c'est déjà pas mal quoi, 30 centimes, bon à force c'est déjà ça, par rapport à certains partenaires qui demandent 30 ou 100 euros d'abord minimum. Donc là, clairement, j'aurais jamais pu rien avoir. Mais de toute façon, c'était pas vraiment l'argent qui m'intéressait. Puisque ce qui m'intéressait, c'est simplement d'avoir un partenaire, un network, pour bah, avoir tous les avantages. Donc je me souviens plus exactement de tous les avantages, mais celui qui m'intéressait, le seul, c'était la planification de vidéo. Donc clairement, il n'y avait que ça qui m'intéressait. Il me semble que le network aussi va essayer de faire un petit peu de pub, vous mettre en avant tout ça. Donc ça pourrait être sympa. Mais ouais, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est la planification de vidéo. De toute façon, vu le nombre de vues que j'ai, même avec un network, je vais rien gagner quoi. Sur Social Blade, l'argent estimé par an est 7 euros. Donc voilà, 7 euros par an, je vais pas gagner grand chose. Et encore, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que je vais gagner ça. Donc voilà, ça sert à rien. Vraiment, je faisais pas ça pour l'argent, juste pour la planification de vidéo. Donc maintenant, les conditions. Donc pour le rejoindre. Vous aurez pas de minimum de vues, donc ça c'est plutôt cool. Pas de minimum de vues ou d'abonnés, donc rien du tout. Pas de minimum de vues, d'abonnés par jour ou de vraiment rien. Ils s'en foutent totalement de ça. Ensuite, il va falloir un minimum de contenu de qualité. Donc ça c'est pas forcément, mais si vous faites vraiment de la merde, bah voilà, il va peut-être pas vous accepter. Donc la HD est privilégiée, c'est-à-dire que même en faisant de la 460p, je crois, ou je sais plus, mais un truc comme ça, 400, enfin, en gros, pas de la HD, en dessous de la 720, je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est. Je sais que t'as la 720, la 1080, la 360, la 244, t'as la 144, je crois, enfin, je suis pas sûr. Et après, c'est 460, enfin, bref, on s'en fout. En dessous de la HD, vous avez un peu moins de chances d'être accepté, ils privilégieront les personnes qui font de la HD. Mais bon, maintenant, si vous voulez réussir sur YouTube, c'est quasiment. Enfin, c'est essentiel de faire de la HD, je pense. Tout le monde fait de la HD. Full HD, c'est pas encore obligé. Mais HD, c'est le minimum. Par contre, de qualité, j'entends aussi l'originalité. Donc, même moi, je suis pas forcément très original. Mais voilà, c'est vraiment un plus. Ça peut vous aider. Après, c'est pas obligatoire. Ça, par contre, aucun strike. Et ça, c'est sur tous les networks. C'est pas simplement qu'ils veulent pas, même s'ils pouvaient, enfin s'ils pouvaient, ils le feraient peut-être. C'est que YouTube interdit de faire des partenariats, enfin je crois que c'est ça. Hein. YouTube interdit de faire des partenariats ou avoir un network si vous avez un strike. Donc si vous en avez un, ben, soit vous essayez de l'enlever en contactant tout ça, enfin il y a plusieurs moyens. Soit vous attendez 6 mois et vous faites votre demande. Ensuite, il faut avoir un minimum de vidéos. Donc j'ai mis ça après le dispa, mais c'est sur tous les partenaires comme ça. Donc soit ils vont vous demander genre un mois d'ancienneté sur YouTube ou des trucs du genre. Soit c'est j'ai mis 5 vidéos, peut-être 10, peut-être 15, je sais pas, un minimum de vidéos. Si vous avez fait une vidéo avec 400 000 vues, même une vidéo avec 200 vues, vous pourrez pas demander. Donc faites simplement quelques vidéos. Faites-en jusqu'à en avoir 5, 10. Je vous conseille vraiment d'éviter d'en faire plein de demandes. Faites-en une où vous êtes quasi sûr de l'avoir. Et puis voilà. Donc attendez genre d'avoir 5 ou 10 vidéos, un mois d'ancienneté, et là faites votre demande. Mais bon, moi d'ancienneté et 10 vidéos, ça passe très vite. Ensuite, tu vois, voilà, il va falloir avoir PayPal. Donc ça, c'est pour avoir vos revenus, tout simplement. Ils vont vous envoyer l'argent sur PayPal. Il faut être actif aussi, c'est-à-dire, je conseille une vidéo par semaine. De toute façon, c'est pareil, si vous voulez réussir sur YouTube, normalement, il faudrait avoir 2 ou 3 vidéos par semaine. Après, si vous faites de la très bonne qualité, une vidéo par semaine suffit. Si vous faites vraiment un truc exceptionnel, très original, une vidéo par mois encore peut suffire, mais...
Une vis d'oie par mois, je sais pas si ils accepteront, sauf si vraiment c'est de très bonne qualité. Et ensuite, il va falloir parler un minimum anglais. Bon, ça pareil, c'est pas obligé, mais vu que le network est anglais, si vous avez un truc à demander, à leur demander, je conseille de savoir parler vraiment un petit peu anglais. Moi, je parle assez mal, mais je parle un petit peu, c'est-à-dire que je saurais le comprendre. Et si j'ai besoin de le parler, au pire, j'ai des proches qui peuvent parler à ma place. Donc voilà, ça c'est à peu près les seules conditions. Donc il y en a qui sont pas forcément obligés, quoi, mais c'est vraiment des conseils. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais je vois que beaucoup de personnes apprécient ce genre de vidéo où je parle de network pour petits youtubeurs, bah, j'en ferai peut-être d'autres. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si jamais bah, je vois que ça plaît à un petit peu de personnes, ce genre de vidéo où je présente des networks. Et donc voilà, si ça plaît, j'en présenterai d'autres, tout simplement. Donc merci d'avoir regardé, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Salut tout le monde!